Château de l'eau, il a eu des hauts et des bas, c'est sûr. Mais il a toujours été habité depuis 800 ans, ce qui est assez exceptionnel. On remonte à 1250. Et c'était, à ce moment-là, le fief était Alphonse de Poitiers. Voilà, ça coïncide bien. Toi, Alphonse de Poitiers, et là, on retrouve Alphonse de Poitiers et un seigneur de l'eau qui lui porte allégeance. Alors là, moi, ma généalogie officielle remonte aussi à 1380. Les seigneurs de Vaux étaient presque tous écuyers au château de Valor. Hein. Valor était la caserne. Vous avez vraiment des soldats. Et Vaux, Chassangle, etc., même Montguerre, étaient soit des points d'observation, soit comme Vaux, un point pour faire payer le droit de passage, puisque la grande route passait là-haut. Hein. C'était très bien organisé, hein. il faut pas croire, on dit au Moyen-Âge, c'était des sauvages. Mais c'était loin d'être des sauvages, c'était très très bien organisé. Hein. Et ils savaient bien faire payer qui devait payer, ça n'a pas changé. Et alors en plus de ça, à une certaine époque, à l'époque d'Aliénor d'Aquitaine justement, je pense que la frontière entre l'Auvergne et la Bourgogne n'était pas comme maintenant le Montoncel ou la ligne de crête des Bois Noirs. La frontière était la grande route de Thiers à Lyon. Là. Et puis, ça suivait un peu les fiefs des seigneurs. Il suffit que le seigneur de Vaux, supposons, épouse la fille du seigneur de Selles pour que la frontière se repousse avec les terres du seigneur de Selles, tu comprends? Où c'était important, c'est que dès l'instant où le territoire était annexé, on en touchait les revenus. C'était surtout ça l'intérêt. Sauf qu'il y avait quand même la frontière des dîmes et les frontières linguistiques. Ça, c'est puisqu'on est aux confins de trois frontières, de trois provinces, de trois dîmes et de trois langues. Alors là, on va rentrer dans la vieille entrée. Là, c'est une des parties les plus anciennes du château. Cette porte, cette fenêtre, ça n'a pas bougé pratiquement, c'est à 800 ans. Là. Bon, alors là, tu rentres dans ce qui était la cuisine du château. Alors là, il y avait la grande cheminée. La grande cheminée. Et tu as le four à pain et le four à pâtisserie. Voilà, 1er janvier 1613, il y a Jean-Baptiste Dumas qui a épousé une Anna de Vaux. C'est la première alliance qu'on a eue entre les Dumas et les de Vaux. C'est là où donc on reçoit les invités. Il y a un très beau piano. C'est un Erard de 1896. Au passage, je vais te montrer un tableau qui est amusant. Le petit garçon assis, c'est mon papa. Le petit garçon debout, c'est son frère aîné. Et tu aperçois en haut à gauche le château. Alors là, dans ce qu'on appelle le petit salon, c'est une pièce très agréable à vivre. Elle est très très agréable. Ma maman se tenait beaucoup là. Voilà, il y a mon papa, mon grand-père, mon arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père. Alors la famille Dumas était une vieille famille de Valor, qui était des riches bourgeois. Et alors, par rapport au château de Valor, il y a mon arrière-arrière-grand-père qui a racheté les ruines du château de Valor en 1806. Et ça, comme parce qu'à la Révolution, ça avait été saisi plus ou moins... bien national ou autre, enfin, c'est une époque trouble. On a une vingtaine d'années, là, si tu veux, entre 1789 et 1800, enfin, Premier Empire, on a une bonne dizaine d'années où il n'y a plus rien. Beaucoup d'archives à cette époque-là ont été brûlées, détruites, ce qui fait que toutes nos vieilles familles, pratiquement, s'arrêtent en 1790. Et on les retrouve en 1800. Et alors, Vaux n'a pas dû être trop massacré. Enfin, il y a eu quand même les toitures qui ont été abîmées et puis deux tours qui ont été démolies. En 1804, le château a été racheté par mon arrière-arrière-grand-père, Pierre Andrieux, qui a racheté le château et le titre de Vaux. Et alors, donc, le fils de ce Pierre Andrieux, qui s'appelait Hermoz, a écrit un livre, l'histoire de Thiers. D'après l'avis des spécialistes, c'est un des bouquins les mieux faits sur l'histoire de la ville de Thiers.
cas, pour être franc, c'est où il était dans le grenier du château, je ne l'avais jamais ouvert. Ça m'est venu l'histoire, de raconter l'histoire du château, quand on a commencé à faire des chambres d'hôtes. Et les gens arrivaient, « Ah, monsieur Dumas, racontez-nous l'histoire du château !» Et c'est là que je me suis dit, oui, mais au fait, il me pose une question, il faut quand même que je trouve un peu une réponse. Et on rentrait dans cette pièce-là, qui est aujourd'hui la cuisine, mais qui n'était pas la cuisine. C'était une pièce où les gens laissaient leur manteau, il y avait la grande cheminée qui était certainement allumée presque toute l'année, les gens se réchauffaient, à la rigueur buvaient quelque chose de chaud, mais ce n'était pas la cuisine. Et puis alors, selon leur rang, après, soit étaient reçus là, et puis disaient ce qu'ils avaient à dire, soit s'ils restaient plus longtemps, rentraient carrément alors après dans l'intérieur du château. On franchissait cette porte. Et alors, le château a conservé son architecture médiévale typique, c'est-à-dire tu as un grand couloir en haut, un grand couloir en bas. Parce que c'était pour permettre aux quelques hommes d'armes ou quelques hommes d'aller très vite d'un point à l'autre du château, soit en cas d'attaque, soit en cas d'incendie, soit pour d'autres raisons. Alors ici, nous avons la salle à manger actuelle, mais qui n'était pas la salle à manger autrefois, étant donné que la cuisine n'était pas là. Là, tu as les armes de la famille Dumas. Voilà, c'est ça. Et puis je raconte, moi je vais te dire, hein, quand j'ai des Anglais qui arrivent, je leur dis, voilà, le château a été construit à l'époque d'Aliénor d'Aquitaine, lorsqu'il y avait l'Aquitaine qui arrivait jusque-là. Et alors je leur dis, peut-être qu'Aliénor est venue voir les travaux de son château. Je dis peut-être, il n'est sûrement jamais venu. Mais, et je leur dis, elle était peut-être accompagnée de son petit garçon Richard. Alors pour eux, pour les Anglais, Richard, mais c'est comme nous, je sais pas quoi, moi. Alors ils sentent leur mouchoir, Richard, quand de l'autre rencontre, ils se tournent vers leur femme, et en anglais, leur dit, tu te rends compte, Richard est venu, il a couru là dans le couloir, tout de suite. Mais si tu veux, c'est très imagé. Mais ça plaît beaucoup aux gens, ça. Mais ça n'empêche pas que comme ça, ça les marque. Ils savent que le château a été construit à l'époque d'Aliénor, qu'ils retiennent quelque chose, si tu veux. C'était la chambre de ma maman. La chambre de ma maman. Une chambre regarde avec une très belle vue. C'est un lieu, voilà, qui a été, je pense, habité depuis, on peut presque dire, des millénaires. Tu vois, le fond du pré, ça fait comme un tumulus, là, tu vois. Et bien, ce tumulus, c'est plus ou moins artificiel, et au milieu, on la voit à peine parce que c'est dans l'ombre, il y a une pierre druidique avec une cupule. Là, je vais te montrer une chambre qui est amusante, la chambre de la fée Rose. Les gens l'aiment bien, cette chambre. Si tu couches là, la première fois au château, dans la nuit, tu as une de ces fenêtres qui s'ouvre et tu as une petite fée qui vient te saluer. Sirens in fire and cut through the midnight singing of peace for tears.